Ah que coucou bien bonjour tout le monde, c'est aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 22 de Diver RPG. Je suis à moitié à poil. Pourquoi? Parce que comme annoncé dans l'épisode 21, attendez, je vais essayer de me remettre correctement, voilà. Comme annoncé dans l'épisode 21, j'ai été farmé dans le Nether comme un sac à caca et du coup bah mon armure elle s'est totalement défoncée. J'ai dû en racheter une entre-temps. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus l'enchante sur le plastron diamant et qu'elle est complètement morte. Mais le farm a bien été chill. J'ai récolté 4 stacks de molten shard, donc ça a duré à peu près 2 heures, j'ai fait ça hier soir. 2 heures, j'ai chopé de la netherite or, j'ai shoté des purple blaze au passage. Le hellstone ingot, je sais plus, il y a un monstre qui me l'a lâché. Comme la netherite ingot en plus. C'est les archers de feu en fait qu'on lâche rarement, mais qu'on lâche de temps en temps. Et quand ils en lâchent 40 d'un coup. Donc ça m'a surpris au début. Mais au final, tant mieux. C'est bien ça, il y a un zombie qui queen. Et je vais me servir de netherite ingot parce qu'on m'a dit dans les commentaires de l'épisode 21 qu'avec les netherite ingot, on pouvait faire cette épée. Donc au début, qui paraît nulle en fait au départ. Eh bien non, on m'a signalé dans les commentaires, j'ai pas retenu ton pseudo, je suis désolé, qu'elle nous servait à nous soigner. Donc on pouvait, il y a 540 utilisations et quand on fait clic droit dessus, on peut se soigner. Donc c'est ce qu'on va faire, on va faire ça. Mais d'abord, on va se déséquiper. Et on va faire notre nouvelle armure pour le Nether, parce que dans cet épisode, on va aller à la forteresse que j'ai trouvée. J'ai trouvé une forteresse, elle est notée. J'avais acheté à peu près 2 lignes de cactus, je crois. Et du coup, j'ai pu me servir de mon canon, qui a d'ailleurs pris une sacrée claque. Ça fait déjà 1000 utilisations, mais qui est très pratique. Comme vous voyez, j'ai plus beaucoup d'argent en haut à gauche, mais j'ai 100 000 en banque, je crois, parce que j'ai re-shooté des Desert Crawlers, qui lâchent de la Sandstone. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire notre armure. Normalement, on devrait avoir assez, hein, parce que là, il y en a plus de 200. Je me suis trompé encore dans mes calculs. Il n'en faut que 234 ou 224, je ne sais plus, enfin on s'en fout. On s'en fout. On va faire nos gemmes et on va faire notre nouvelle armure de feu qui va nous servir grandement dans le Nether. Donc il faut la Molten Stone, hop, un max de Molten Stone. Je crois que c'est 26, donc on ne va pas en faire plus que 26. Hop. Voilà, une et deux. Voilà, donc là avec 26, normalement je devrais avoir de quoi faire l'armure. Alors, ça doit être Inferno, c'est celle-là je crois. Voilà, Inferno's Helmet, les dommages de feu et les dommages de lave. Donc c'est le casque, c'est ça. L'armure, pantalon et bottes, ça ne change pas. Donc c'est armure et casque, très bien. Alors, le casque, bam, l'armure, c'était ça. Et le pantalon et les bottes, ça ne change pas. Hop, voilà. Et voilà notre nouvelle armure. Bam, 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 bam. Elle est classe. Franchement, elle est classe. Orange et tout. Toi-même, tu sais, height. Ensuite, avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc la Molten Stone et El Spider Pumpkin, donc ça on s'en fout. Et avec la Molten Stone, est-ce qu'on peut faire autre chose? Molten Lamp, oui. Un arc. Ah bah non, faut que je garde la Molten Stone pour appeler le Watcher. L'arc, on s'en fout, on a des armes de jet assez puissantes. Ça c'est bien pour enflammer aussi. Mais bon, c'est pas très utile pour l'instant, donc ça on garde ça. Donc ça c'est bon, j'ai de la blue gem. C'est ça que je vais faire, je vais me faire une épée qui soigne. Alors c'est de la blue gem je crois. Et c'était clac 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 clac, je crois que c'était ça. C'est exact. Du coup, voilà, ça nous fait ça et je vous montrerai quand on sera tapé. Une arme qui soigne, alors l'arc on laisse ça là, ça. La netherrack, j'en ai un peu trop. Je fais du rangement parce que là j'ai un peu trop de trucs. Le bois, on n'a pas vraiment besoin d'un atelier. Si on garde un peu de pierre, de la chair pétrifiée, on n'en a pas besoin. Le gâteau, on garde pour Titouf. On n'a pas besoin d'eau.
Et ça, c'est bon pour le moment. Ok, donc là, on a tout. On a notre armure. Ah oui, ce que je voulais faire, déjà faire les outils en pierre, parce qu'on m'a dit que oui, j'avais oublié les outils en pierre, et c'est vrai. C'est vrai que je les ai oubliés. Et du coup, vu qu'il n'y a pas d'armure en pierre, ce que je vais faire, c'est que je vais me giver l'armure en chainmail. Je vais me la giver, et je la mettrai dans la salle. Donc c'est juste à but décoratif. Hein, si je peux pas la crafter, il faut du feu, et je peux pas crafter le feu. Hein, je ne suis pas magicien. Et donc je vais me giver l'armure en chainmail. Parce que voilà, ça sera joli à afficher avec les autres. Et il me manque l'épée en pierre. Voilà. Impeccable. Ensuite, on met ça là. Paf, paf, paf. Je vais ranger ça, les gâteaux. Les bâtons, je les garde. La pierre, je la range. Tiens, debout-toi. Et du coup, ouais, c'est cool. J'ai une meilleure armure que celle d'avant. Donc la Diver machin là. Elle est mieux. Mais elle ne me réduit pas les dommages de chute. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'enchanter. Parce que oui, j'ai chopé le DXP. Hein, j'en ai chopé 34 de niveau. L'armure en chainmail devrait se trouver juste là avant le fer. Parce qu'elle est moins bonne que le fer. Du coup, faut que je décale tout. Petite coupure, je vous reprends quand tout est décalé. À tout de suite. Hop, je vous reprends. Donc il me reste juste à replacer un truc au-dessus. Oui, je les ai mis au-dessus. On m'a dit que ça pourrait être mis au-dessus. C'est vrai que ça fait mieux. Donc comme vous voyez, j'ai mis l'armure en chainmail. Donc on ne la voit quasiment pas. Donc en côte de maille. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, on les a toutes. Je vais juste aller me refaire un porte-arme. Donc il me faut des demi-dalles. En bois d'acachou. Non, en bois de chêne, s'il vous plaît. J'en avais plus. J'avais tout utilisé. Planche de chêne, voilà. Et un petit lingot de fer, voilà. Hop, 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 hop. Voilà qui est mieux. Impeccable. Alors, paf. Et paf. Et maintenant, il ne reste plus qu'à aller poser les outils en diamant. Et ça sera bon. Alors ensuite, ce que je prévois dans cette salle... J'ai vu un petit peu au conseil, il y a quelques personnes qui m'ont dit que ça pourrait être bien d'utiliser la faille à mon avantage et du coup mettre du verre, et c'est vrai que ça pourrait donner une belle vue. Et j'ai eu un autre commentaire comme quoi ça pourrait être sympa aussi de faire un tapis rouge jusqu'à l'armure du fond. Et c'est vrai que ça peut être sympathique. Du coup elle est là, la chandelle. Du coup, ce que je vais faire, ce que je ferai plus tard pour cette salle, c'est un sol en verre, genre à partir de là, sur 2 ou 3, ouais, du coup ça fait un tapis rouge de 1, et peut-être que là j'entourerai de rouge, salut Titouf, toi t'as pris des dégâts, je sais pas comment, donc genre entourer de rouge là, sur 3 plus une ligne de rouge, et mettre du vert là, et c'est vrai que ça pourrait être sympa. Du coup, on a 5 armures avec leurs outils, donc ça fait quand même pas mal. Mon armure qui était enchantée, protection 3, explosion, projectile et résistance au feu. Mais du coup maintenant j'ai ça, il faut que je l'enchante aussi. On va remettre nos armes à la bonne place, c'est mieux. Ça, mon arc, de la bouffe, les torches. Et on va mettre ça vu qu'on en a pas mal. J'ai du bois en trop, ça ne me sert à rien. Titouf, téléporte-toi. On va aller enchanter un bouquin, je pense, pour voir si on peut pas choper des trucs intéressants. Est-ce qu'on a des livres? Oui, on en a. On en a un. On va en prendre deux, vu qu'on va sûrement passer à la... Comment? À la bibliothèque, je crois, c'est ça, dans la ville. On va même essayer d'augmenter un petit peu la ville, et puis on ira après dans le Nether. Pour aller rechoper de l'XP, ça je l'ai pas fait en off. J'aurais pu retourner de temps en temps aller chercher de l'XP et du coup enchanter les trucs, mais bon, je l'ai pas fait. Tac. On m'a aussi dit que je pouvais. Châtiment 4. C'est bien ça pour les épées, ça. C'est pas mal. On m'a aussi dit que je pouvais trouver très facilement des tutos pour changer la langue bizarroïde en anglais, mais c'est plus marrant de faire un petit peu ça aléatoirement. Direction Titouf, tu t'assois, t'es tout noir, je ne sais pas pourquoi. Tu meurs, et... la ville.
La ville, voilà. Ouf. Oula. Ouh, coup de lag pour se téléporter, c'est pas mal. Et il faut que j'aille à la bibliothèque. Donc c'est ce que nous allons faire de la suite avant d'aller dans le Nether. Il faudrait, je sais pas, j'aimerais bien rajouter chute amortie sur mes bottes, vu que maintenant je peux prendre des dommages de chute. C'est vrai que ça serait intéressant de l'avoir. Yeah, impeccable. Impeccable, impeccable. Alors je sais pas si j'enchante les bottes directement ou un livre. Je pense que je vais essayer d'enchanter les bottes directement, quoique c'est de l'infini. Vu que c'est l'usage infini, je crois que je peux pas le... Je peux pas l'enchanter directement. Ah, je ne sais plus. En tout cas, on va aller chercher le bois et la pierre. On m'a dit que je pouvais utiliser la pierre dans mes coffres, vu que j'en avais plein. C'est vrai. Mais vu qu'au final, je chope la pierre à autant de bois que de pierre ici, et que j'ai souvent du râpe de pierre, bah, je préfère la prendre là. Au moins, je n'aurais pas payé pour rien. Alors... Salut Bobby la mouche. Ok, donc là il m'en a donné 1, 2, 3, 4, 5, 5, oui, c'est ça. Il m'en a donné 5, donc c'est pas mal. Je devrais avoir autant de bois. J'ai pas regardé l'heure à laquelle j'ai commencé. Je vais essayer de pas faire un épisode trop long pour pouvoir vous le proposer dès demain. Il n'y a pas eu de dimanche nostalgie, je m'en excuse. J'avais pas spécialement envie d'en tourner pour le moment. Putain, je suis vraiment classe. J'avais pas spécialement envie d'en tourner, de toute façon je... Je crois que je l'avais dit, hein, c'est pas obligatoire qu'il y en ait tous les dimanches, mais si jamais j'y joue, ce sera le dimanche que la vidéo vous sera proposée. Tu veux me donner de l'argent, toi? Oh putain! Allez, gangbang, gangbang. Ok, c'est bon. Ça n'est pas passé loin. Du coup, il m'a donné un petit peu de sandstone, ce qui n'est pas très utile. À part pour avoir de l'argent, mais mon argent est bien gardé, pardon, dans ma banque. Parce que si je retourne dans le Nether et que je me fais tuer, j'ai pas envie de reperdre encore de l'argent, parce que ça perd beaucoup d'argent après. Alors, Bobby la mouche. Salut. Tiens. Alors, qu'est-ce que tu peux me faire? Une large hall, small house. Boum, la grosse maison. On va peut-être même pouvoir faire une petite. Yeah, il me manquera plus qu'une petite maison. Donc, je ne sais pas où elles se sont construites. Alors, si à côté de la citadelle et l'autre à côté. De la librairie, je crois. Enfin bref, c'est des maisons quoi. On a bientôt fini du coup. On a bientôt fini de faire notre ville. Ça avance bien, c'est très pratique. Mis à part que moi, elle crache quand je veux acheter des trucs au marchand. Hop, je vais jeter toute la merde que j'ai sur moi. J'ai toujours pas regardé s'il faut acheter des yeux d'araignée parce qu'il serait intéressant de retrouver Jack-o'-lanterne, un de ces quatre, histoire de se faire son armure si dans l'avenir on veut se taper le Wither. Ça pourrait être sympa d'avoir l'armure qui m'empêche de prendre des gros dommages. Alors je sais plus laquelle c'est. Je sais plus laquelle c'est l'armure de Jack. Je sais pas si elle a un nom précis. Enfin si elle a un nom précis, mais alors laquelle? Alors Bedrock, ça c'est très difficile. C'est pas ça. Donator. Angelixa, elle, ça serait une armure qu'on se fera dans le futur, c'est pas de souci. Oh, on pouvait faire ça aussi, Fire Protection. Je crois pas qu'elle soit là. Non, elle n'est pas là. Non, elle n'est pas là. Ça doit être celle-là. Wither. Wither Protection. C'est ça. C'est l'armure du Wither en fait. Je sais pas combien elle donne de trucs, mais bon, c'est pas. Infinitude. Et après, il y a l'armure aussi. Ça, c'est l'armure pour pas perdre de vie. De faim. Et normalement, l'armure de Jack qui augmente les dommages de la faux de 4. Et c'est quand même assez sympa, je l'avais testé en off, elle est vraiment pas mal. Ensuite, en arme de jet, qui pourrait être sympa, j'ai vu ça sur les épisodes de Captain Sparkles, en fait. Dans chaque dimension, on peut se faire les blades et les phasers, en fait, de chaque dimension. Donc c'est à peu près pareil que les épées, ça envoie des petites boules d'énergie. Et c'est très pratique, rien que ça, c'est plus efficace que mon Frostlow Cannon. Et au final, il coûte pas tant que ça. 3, 4 Gravitchen, pardon, c'est... C'est ça, c'est ça. C'est pas énormissime, c'est un petit peu long, mais ça pourrait se faire. Donc ça serait pareil, je le ferais peut-être en off. Ah, donc je peux l'enchanter. Alors. Ouh! Non! Merde. Non. Non, bah ça marche pas là. Allez! Protection contre les projectiles 4. Youpi, c'est absolument pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. Du coup, on va ranger les livres.
Mais c'est pratique quand même contre les projectiles parce qu'il y a des wildfire là qui m'envoient des boules de feuilles. Faudrait que je me fasse un coffre avec les enchantements. Et le livre, on le met là. Ok, bon. Titouf, tu me suis dans le Nether ou pas? J'ai pas envie de t'emmener dans le Nether. Si tu vas encore crever, et puis je vais galérer pour te ramener. C'est parti, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai mon truc, mon arme. J'ai ma pioche, de la bouffe, des blocs pour monter. Et bah c'est parti. Objectif Blaze. Donc ça, je sais qu'il y en avait. Objectif Blaze, objectif récupérer des Blaze Rods pour pouvoir faire des yeux d'Enderman. Des yeux de to-do. Et voilà. Alors, mais voilà. Et voilà. Je sais pas si vous voyez très bien sur l'écran, mais là, si je me mets, le donjon est à 400 blocs. Et il est carrément de l'autre côté, en fait. Du coup, je m'étais fait un chemin parce que j'avais fait tout le tour par la gauche et j'étais tombé dessus. J'étais mort. Heureusement, j'avais noté les coordonnées grâce à ma boussole. Et du coup, enfin, à ma carte en haut. Et du coup, j'ai pu y retourner et faire un. Et une localisation grâce à la carte, donc c'est plutôt sympa. Il y a un ghast là-haut, très bien. Je n'ai pas pris de cactus et j'ai plus de flèches. Bon bah à l'ancienne, c'est pas grave. Pour l'instant, on va laisser les monstres de côté. Hein. Voilà, on va essayer de se faire une petite baignade dans la lave, ça peut être sympa. Vu qu'on a une armure normalement qui nous rend invulnérable à la lave, autant en profiter. Et surtout pour les blazes, comme ça ils m'enflammeront plus, pardon. Yeah! Oups, pardon, je suis. Par contre, pardon, je sais pas parler, je suis pas. Hey! Ouais, donc je prends pas de dégâts. Mais par contre, ça me fait trébucher, alors ça c'est embêtant. Oh, si par contre je prends les dégâts de flèche, je prends les dégâts de flèche. Alors ça a mis un peu de temps à s'afficher. Youpi! Ça m'a complètement fait laguer. Ah, ça commence bien ça. Oh putain. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon allez, on est reparti. Au début, je croyais que je prenais pas les dégâts parce que les flèches se renvoyaient sur eux, mais. Mais au final, si. Je me prends les dégâts comme un sac. Du coup, ça ne m'arrange pas. On est reparti, hein, que voulez-vous? Et j'aurais dû reprendre du cactus, chose que je n'ai pas faite. Punaise. Je suis bête, bête et méchant. Toulou. Ouais, mais par contre, c'est chiant, même si je prends pas les dommages d'avoir les pic là et puis d'être en feu au final parce que ça. C'est pas pratique pour sprinter. Ouais, non, c'est chiant ça. Ah, du coup, je peux pas me baigner dans la lave. Je vais être enflammé, mais ça va pas me faire de dommages quoi. Du coup, ça bousille la moitié de l'écran. Ça dure super longtemps. Un peu déçu sur ce point-là, mais bon. Au moins, je suis insensible aux dégâts. Du moins, du blaze me fera pas de dégâts, ça c'est bien. C'est bien. Alors, les araignées, on les esquive, on ne les a pas vues. Vous voyez un petit peu, ça c'est le champ de bataille d'hier. Parce que je me suis tapé des purple blaze, donc c'est des scratchers, je crois, ou des scratchers. Je sais plus comment ça s'écrit. Et qu'il balance des boules de feu partout. Et du coup, c'est très agaçant. Mais bon. Yaha. Aïe. On n'a rien vu. On continue à courir. On ne s'arrête pas. Parce que la forteresse est quand même assez loin. Du coup, quand on meurt, bah, c'est assez embêtant de devoir y retourner à chaque fois. Donc, plus vite on sera sorti du Nether, mieux je me porterai. Si je n'ai plus rien à faire dans ce Nether, il y a une araignée encore qui veut m'attaquer. Il veut mes fesses. Je ne lui donnerai pas mes fesses comme ça. En tout cas, je suis très content du nombre de vues toujours que fait cette série. C'est assez impressionnant quand j'en poste un par jour. Quand j'en poste deux d'affilée, par exemple, c'est assez impressionnant et ça me fait vraiment plaisir. Donc, merci à tous. Est-ce que tu te la manges? Est-ce que tu te la manges? Oh, t'es passé au-dessus. Aïe, dégage. Non, faut pas que je meure. Plus j'ai moins de. J'ai moins de résistance qu'avec mon armure en diamant. Ok, c'était mort. Oh putain. Oh putain. Vite. En plus, je tousse, alors c'est pas top. Ah oh, bah attendez. Ok, ça rajoute un cœur par un cœur, mais c'est pratique quand même. Je savais pas combien ça rajoutait. Mais c'est quand même vachement pratique pour le coup. Je devrais m'en servir plus souvent. Allez, tu vas te la prendre ta flèche, oui.
J'en ai plus beaucoup, quoi. J'ai pas un arc abondance. Où c'est que t'es? Tiens, prends ta flèche. Voilà! Non, mais... On éteint un petit peu le feu. Ok, bon. C'est vrai que je devrais me servir plus souvent de ma petite épée comme ça. Il y a 540 utilisations, donc c'est quand même pas mal. Et du coup, on va monter par là. On va monter par là. Escalier fait maison. Escalier à la con. C'est absolument pas une devise, mais je viens de l'inventer. Hop. C'est des escaliers genre super, super pas rassurant du tout. Et moi, je parle super, super bien la France. Ça fait plaisir aussi. Hop. Hop. Alors. Tu vas me détruire ça vite fait, c'est ça? Tac, 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 tac. Hop, un petit peu de lumière. Il y a des purple... Les purple blades là-haut, ça ne m'arrange... Enfin, ça ne m'attire pas plus que ça, même si au final, vu qu'ils mettent le feu, j'ai pas trop de problèmes à avoir d'eux. Hop, ça, c'est de la lave. Donc, j'ai pas envie de mourir cramé. Ok, c'est bon. Alors, j'avais vu des blazes là-bas. Ouais, il y a un spawner à blaze, je crois. On voit rien du tout. J'espère que pour vous ça va, la luminosité est pas trop dégueu. Il y a des pigmen. C'est quoi ça? C'est des wither squelettes, ça? Ouais, non, je suis pas rassuré, moi j'en ai jamais trop affronté. Ça a combien de points de vie? 20? Ah bah c'est bon alors. S'il y a que 20 points de vie, ça me va. Ça me va très bien même. L'âge du charbon, c'est ça? Oui. J'aimerais bien vos têtes. S'il faut vos têtes pour invoquer le wither, c'est ça, non? Alors, bon, ils ont pas l'air d'en looter facilement, ça ne m'étonne même pas. Tu meurs aussi, tu meurs, aïe, je suis en feu, mais faut pas que j'y fasse attention. Et du coup, ils ne m'ont pas... Oh, déjà un bâton d'incendiaire, ça c'est cool. Meurs. Hop. Le spawner a l'air d'être là-haut, ok, très bien. Très bien, très bien, on va faire de la bouchée de blaze, bon ça ne m'arrange pas. Hop, enfin ça m'arrange pas, je ne prends pas de dommages toujours, voilà, je peux me baigner dedans, mais c'est chiant. Du coup, on va fermer ça, voilà, le squelette, le blaze, je vais y arriver, il va vouloir me taper. Je vais lui latter les couilles, comme dirait Cartman. Viens là, sac à merde. Blasé de la vie, putain, les vieilles traductions, quoi. Plus il me fait laguer, bon, on va rester en feu de toute façon, vu qu'on va s'en prendre plein la gueule. Désolé si vous voyez pas grand chose, c'est du massacre pur et simple. Alors, ça me fait 4 bâtons d'incendiaire, très bien. J'aimerais bien que tu arrêtes de brûler, s'il te plaît. Hop, on va fermer un petit peu pour pas qu'il s'en aille trop vite. Il y en a un qui est à côté de moi, c'est pas grave. Il me fait un petit peu pas trop peur, donc ça va. Où es-tu? Tu es là, tu es mort. Merci, ça fait plaisir. Ouh, il y en a encore un derrière, c'est génial ça. Là, pour le coup, je suis bien content d'avoir mon armure. Ça aurait été un petit peu... Bah j'aurais pu le faire mais ça aurait été laborieux quoi. J'ai surtout pas envie de tomber parce que pour remonter après c'est pas pratique. Alors, crevez, bande de larves. Moi je récupère votre or. Et je ferme un petit peu pour pas que vous puissiez passer par dessus. Enfin pour qu'il ça soit moins haut. Voilà, bon. Maintenant je peux me faire un passage aussi pour passer à la limite. Vous allez pas me laisser tranquille hein. Merci. Alors je prends des dommages quand je me fais toucher par les boules, mais je ne prends pas de dommages de feu, donc ça va. Ouais, je prends un cœur de dommages. Cœur que je peux soigner avec ça. Hop, alors. Faut que je puisse faire un chemin, s'il vous plaît. Voilà, au moins ça, je pourrais continuer le chemin. Ok, c'est impeccable. Est-ce que vous voulez bien me mourir, s'il vous plaît, tout simplement? Venez m'agresser, moi je vais vous en mettre plein la goule. Et vu que je suis trop confiant, je vais sûrement me faire tuer si je continue comme ça. Hop, je sais pas trop où je tape, mais je leur tape dessus, c'est déjà pas mal. Hop. Faudrait que j'évite de tomber, ça serait bien. Aïe, aïe, aïe. Ok, c'est bon. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle du bon laminage. Ça me fait 11 bâtons d'incendiaire, c'est génial. Sachant qu'un bâton donne 2, je crois, c'est ça?
C'est ça, 2. Donc ça m'en fait largement assez. Ça m'en fait largement assez. On peut largement partir d'où nous venons. Et je pense que c'est ce que l'on va faire. Voilà, pour que ce soit plus facile. Alors il y a un wildfire ici, ça ne m'arrange pas vraiment. Voilà. Aïe, 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 aïe. Witchy Pity Blaze. Bon, vous savez quoi? J'ai ce qu'il me faut. Et... Wouah! Et voilà, impeccable. J'avais ce qu'il me fallait, je pouvais mourir en paix. Hop là, bon, bah j'ai mes bâtons d'incendiaire, ça a été plus vite que prévu. Ce que je vous propose, c'est qu'on va s'arrêter là, vu que ça doit faire une demi-heure, je pense. Ça, c'est des blocs décoratifs. Hop, du charbon, on le range là. Des champignons, de la misère, qu'on s'en fout un petit peu. Oh, c'est compagnie, voilà. Et ça, on va mettre ça là. Et du coup, on va fusionner les 16. Donc on va se faire des trucs. Et dans le prochain épisode, c'est pas comme ça qu'on fait, bien évidemment. 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et là, ça en fait 16. Impeccable. Et nous avons des œils, des yeux ou des œils du tout doux. Donc, dans le prochain épisode, on partira à l'aventure, le compagnon. En espérant que ça soit pas trop loin, que j'ai pas trop à marcher. On ira direction le portail du End. On va essayer de voir si on peut pas finir le château. Sachant qu'il doit me manquer quoi. Qu'est-ce qui me manque? Tech. Priceless. Small House. 192 et 128. Donc 192, c'est 3 stacks. Même pas. Si c'est 3 stacks. C'est 3 stacks de bois. Et la cobblestone, c'est pas un problème. Donc je pense qu'ils vont m'en donner un ou deux là. Vu le temps que ça fait. Un ou deux. Et on va essayer d'acheter le troisième. Ou alors ce que je ferais. Toi, t'en as combien par exemple à me donner? Ils m'en ont donné deux. Très bien. Mais je crois que j'en ai déjà un. Ou alors c'était en pierre que j'en ai déjà un. Ah, je sais plus. Donc vous allez m'en donner deux aussi là. Ok, donc deux stacks de bois. Hop. Parce que là, on a bientôt fini le château normalement. Hein. Je crois pas qu'il y ait quelque chose après. Parce que la ville est quand même vachement grande déjà. Hein. Je sais même pas où c'est qu'ils vont mettre la dernière petite maison. Donc c'est pour ça que j'aimerais voir ça tout de suite, juste avant la fin de l'épisode. L'épisode 22 déjà, donc on a dépassé Neo versus la fourmilière, que je n'oublie pas, il faut que je finisse. La petite maison, ah oui, bah, elle va se trouver en bas. Si vous voyez, il y a un petit bout de chemin où il n'y a pas de maison entre la taverne et une autre maison. Donc elle va sûrement se trouver là. Et du coup, j'ai pas assez. On va aller voir le papy qui est tout buggé. Ah bah non, il est plus buggé. Bon, j'ai besoin de toi. Faut que tu me passes un stack. Merci papy. C'est bon, ça m'a déstressé de réussir. C'est impeccable. Alors, tiens, prends ça, construis ça. Hop. Normalement, ça aurait dû la construire. Moins que ça la construit autre part et que la petite maison était pas là-bas. Bon, bah voilà. Bah, c'est bon. Bah, faut croire que c'est bon. Alors, moi, je pensais que la petite maison allait s'installer au bout. Mais faut croire que non. Je sais pas où elle s'est installée. Enfin, bon, voilà cette magnifique ville. Est fini, nous avons complété entre guillemets la quête. Je crois qu'il n'y a rien après. Ouais, je pensais qu'elle allait s'installer là. C'est bizarre. Peut-être que si je recharge la map ou que je fixe le royaume, ça passera. Parce que bon, il m'a mis que c'était pas bon. 240, 240, 78, 950. Non, c'est pas là de toute façon.
C'est où? 240. 72. 950. 240, 950. 140, 950, c'est par là. 240. 950. C'est la cathédrale, ça? 240, 950. Merde, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. C'est pas par là. Tac, 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 tac. C'est ici. C'était droit. Enfin, presque. 950, 950. Pourquoi il me chie les briques? C'est là? C'est cette maison-là qui a été construite? Ok, très bien. Est-ce que t'aurais de l'XP à me filer, histoire que je renchante une dernière partie d'armure avant la fin de cet épisode? Ça serait gentil de ta part. Hop, 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 hop. Je sais pas tous les combien ça se régénère, donc... Ok, bon, bah ça va, c'est assez rapide au final. Je pense que toutes les 10-15 minutes, ça devrait le faire. On va aller enchanter le pantalon, ou le plastron, ou le casque. Hein. Le casque, une petite aisance aquatique serait sympa, ou une respiration. Je sais pas trop pourquoi, mais ça pourrait être sympa. Ou de la protection. La protection, c'est le mieux, histoire que ça se rapproche un peu plus du diamant. Hop. Ok, alors prochain épisode, on va aller chercher le donjon, le Stronghold. On va enchanter le pantalon. Hop. Normalement, ça devrait marcher, mais là, ça marche pas, donc... Mince, celui-là était pas mal. Ok, celui-là a l'air sympa. Protection contre les projectiles 4. J'ai quoi, là? Eh ben... Je suis super résistant aux projectiles, moi. Pardon. Prochain épisode, on va aller choper le bastion. Titouf, tu peux marcher si tu veux. Choper le bastion. Puis faire un petit peu de design, je pense. On n'ira pas se mesurer à l'Under Dragon tout de suite. On réservera ça pour l'épisode d'après. Parce que je pense que ça va nous prendre quand même un sacré paquet de temps. Donc, arriver au bastion, suivant s'il est loin, on mettra encore un bloc de commande pour se téléporter. Ça sera plus pratique pour retourner. D'ailleurs, je me ferai peut-être un endroit où je placerai les blocs de commande. Enfin bref, voilà. J'espère que l'épisode 22 vous aura plu. Titouf, t'es où? T'es là, ok. Viens des beaux jours à tes copains. Donc, je fais un bisou à Galius, je fais un bisou à Thomas et à Théo, ainsi qu'à Suki. Remets-toi à ta place, toi. Suki qui est là, avec son collier rose. Théo Toto avec son collier trop dark noir. Thomas avec son collier de Gezou. Et Galius avec son collier bleu ciel, voilà, et Titouf avec son collier orange, qui n'est pas du tout la couleur de sa chaîne, ça serait plutôt bleu marine, mais orange chez moi, et Titouf, tu es à moi. voilà, fin de l'épisode, merci à tous, pouce vert, commentaire, Twitter, abonnez-vous, tout ça, c'est dans la description, sauf les pouces verts et les commentaires, ça c'est vous qui vous en chargez. Et voilà, on se quitte comme on a commencé, dans une autre armure, avec... Un pantalon qui brille en rose et une épée qui brille en rose, ça ne fait absolument pas Gezou. Attendez, on va mettre un autre truc encore plus Gezou. Ta-da-da-da. Et merde, je l'ai utilisé. Faut pas que je fasse clic droit pour rien. Donc voilà, allez, salut à tous. Merci encore pour votre soutien, tout ce que vous êtes aussi nombreux, vos messages, vos commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Je sais pas encore quand est-ce que sera l'épisode 23, je vais pas aller le tourner maintenant. Moi, je retourne regarder Game of Thrones. Allez, salut à tous.